Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous commençons ces exercices spirituels, selon la méthode de Saint Ignace de Loyola, cette retraite, une retraite assez spéciale parce que précisément on l'appelle exercice spirituel. C'est un petit livre, vous voyez ici une édition en français, écrit par Saint Ignace de Loyola, le résultat de son expérience de conversion, on peut dire. Il s'est converti à travers cette retraite. C'est plus ou moins le processus de sa conversion était comme une conclusion, c'est la conclusion de son processus de conversion, c'est ce livre, Exercice spirituel, où il raconte son expérience spirituelle, de passer de la vie des péchés à la vie de la grâce, et non seulement à la vie de la grâce, mais à la vie de l'imitation la plus parfaite du Christ. Comment on doit suivre le Christ? Lui, il l'appliquait dans sa vie personnelle, et pour cela, sa conversion a aussi enchaîné sa vocation religieuse, a fondé aussi l'ordre des Jésuites. Pour nous, chacun de nous, on est appelé à une vocation différente, spéciale, unique dans l'Église, une mission unique dans l'Église. Et pour chacun de nous aussi, ces exercices spirituels peuvent s'adapter à notre vie, peuvent donner évidemment, et donnent aussi beaucoup de fruits, de résultats. Avec ce livre-là, exercices spirituels, avec cette méthode de prière, beaucoup d'âmes se sont converties, beaucoup de chrétiens se sont convertis, beaucoup de personnes ont passé de la vie de péché à la vie de la grâce, et non seulement de la vie de la grâce à la vie de la grâce, mais d'une vie déjà de perfection à une vie de plus de perfection, à une vie de sainteté, une vie de sainteté sérieuse dans la vie. Ils ont pris vraiment la sainteté comme l'objectif de leur vie. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, hommes et femmes, non seulement des prêtres, des serfs, des religieux, des consacrés, mais des laïcs aussi. Beaucoup de laïcs dans l'histoire ont changé leur vie pour une vie meilleure, une vie de la grâce ou une vie meilleure, une vie de plus de sainteté, plus sérieux dans le chemin de sainteté. Ce livre commence, Saint Ignace commence ce livre en donnant des annotations pour faire cette retraite. Cette retraite est pensée, ces exercices spirituels sont passés pour un mois où on médite différents sujets. Parmi eux, il y a la vie du Christ aussi, la passion, la résurrection, mais il y a aussi des sujets, des thèmes proposés par Saint Ignace qui sont propres pour notre vie spirituelle, pour, comme il dit, produire cette conversion, c'est-à-dire nous détacher des créatures et nous attacher plus à Dieu. Ces annotations avec lesquelles il commence ce livre sont plusieurs, on ne va pas vous voir toutes les annotations. Si vous allez voir aussi dans les liens et la possibilité de lire les livres, parce que les livres existent aussi sur Internet, vous pouvez aussi télécharger en PDF ces livres. Les annotations, dit propre à faciliter l'intelligence des exercices spirituels, comment comprendre les exercices spirituels, utile à celui qui va les donner et à celui qui va les recevoir, va participer à cette retraite. La première annotation. Donc, plusieurs annotations, la première, une vingtaine d'annotations. Par ce mot, exercice spirituel, on entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier, vocalement et mentalement.
et les autres opérations spirituelles dont nous parlerons dans la suite. C'est un ensemble d'activités toutes spirituelles, très peu physiques. Hein. On ne fait pas de sport, on fait un sport spirituel plutôt. C'est ça qu'il va dire. En effet, c'est comme se promener, marcher, courir. Sont des exercices corporels du corps. De même, les différents modes de préparer, de disposer l'âme à se défaire, comme j'avais dit tout à l'heure, des affections, de toutes affections déréglées pour redonner la vie. Et après, s'en être défait, c'est-à-dire séparer de ça, chercher à trouver la volonté de Dieu dans le règlement de sa vie. Et voilà, régler la vie en vue de son salut s'appelle tout cela exercice spirituel. Donc, mais et défaire, mais détacher les affections de régler, ou bien, s'ils sont de régler, il faut les régler. Parce qu'il y a l'amour est propre à nous, à l'homme, hein, à l'être humain. Aimer quelqu'un, aimer quelque chose, c'est bon. Mais parfois, on l'aime de façon déréglée, de façon pas ordonnée vers le salut éternel. Donc, une fois que je règle cela, après, il y a la recherche de Dieu et pour pouvoir retrouver la volonté de Dieu à travers dans le règlement de ma vie en vue de mon salut éternel. Et tout cela, Saint Ignace va nous donner les éléments à travers l'exercice spirituel qu'il propose et à travers cette retraite. La deuxième annotation, celui qui explique à un autre le mode à tenir et l'autre à suivre, c'est-à-dire le directeur, dans la méditation ou dans la contemplation, lui raconte finalement une histoire. Hein? C'est un argument, un sujet, une conférence. C'est contentant d'en parcourir, pardon, finalement l'histoire, qui doit faire le sujet de cette contemplation ou cette méditation. Le sujet, je parle de la nativité du Christ, je vais parler de cela, pour expliquer un peu plus cela. Et je vais parcourir les points avec une exposition sommaire. Pourquoi sommaire? Parce que l'activité principale, c'est à celui qui fait les exercices spirituels, pas au prêtre. Hein? Les prêtres aident. Les prêtres, la personne qui dirige un exercice spirituel, une sœur, un laïc aussi, parce qu'il y a des laïcs aussi qui prêchent. Mais on donne des éléments pour aider la personne qui fait la retraite. Mais la personne qui fait les exercices spirituels, c'est elle qui fait le travail le plus important. C'est lui-même qui travaille dans cette retraite. Parce que si la personne qui fait la contemplation, s'attachant au fond à la vie et à la vérité historique, parvient en raisonnant et en réfléchissant par elle-même à découvrir quelque chose qui lui fasse un peu plus connaître et goûter son sujet, soit par les raisonnements propres, soit par la lumière divine qui éclaire son entendement, elle y trouvera plus de goût et plus de fruits spirituels. Puis si c'est celui qui donne les exercices, lui développer fort et long, tout en ce qui renferme les sujets de cette méditation, de sa méditation. Car ce n'est pas l'abondance de la science qui rassasie l'âme, la satisfait, c'est les sentiments et le goût intérieur des vérités qu'elle mérite. Tout pour dire que l'exposition doit être sommaire, c'est-à-dire courte, on peut dire, essentielle plutôt, pour que la personne puisse travailler à travers sa réflexion. Ce n'est pas l'abondance des sciences, ce n'est pas que nous allons apprendre, oui, on va apprendre beaucoup de choses nouvelles, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas une étude scientifique, ce n'est pas une étude théologique. C'est une retraite. Et l'objectif, c'est changer notre vie ou régler notre vie. Troisième annotation. Comme dans tous les exercices spirituels suivants, nous faisons usage des actes de l'entendement en employant le raisonnement, c'est-à-dire l'intelligence, et de ceux de la volonté en excitant en nous les affections, c'est-à-dire la volonté va pousser à aimer les choses, à chercher à faire les choses, parce qu'aimer, ce n'est pas dans le plan. Et dire, oh, j'aime quelque chose. Non, aimer, Saint Ignace de Loyola veut dire et travailler pour arriver à faire cela. Il a remarqué que dans les actes de la volonté, lorsque nous parlons vocalement ou mentalement à Dieu,
notre Seigneur, bien au sein, il faut de notre part un plus grand respect que quand nous faisons usage de l'entendement par la réflexion. Donc, quand on s'adresse à Dieu à travers la prière, on réfléchit, oui, mais après on va s'adresser à Dieu, on va prier les saints, la Vierge Marie spécialement, et là, on doit s'appliquer avec le respect. Sainte Thérèse d'Avila disait, Thérèse de Jésus disait, et la prière, c'est parler avec celui qui nous savons qu'il nous entend et qui nous comprend, c'est Dieu. Hein? Parler avec Dieu comme un ami, parce qu'il nous entend, nous comprend, il va nous écouter et il va comprendre aussi. Cinquième annotation, celui qui reçoit les exercices gagnera beaucoup à y entrer avec un grand courage et grande libéralité. Courage avec toutes les forces et disons, le courage pour entrer voilà, librement et avec envie de progresser dans la vie spirituelle. Voilà, c'est un courage. Et rendre des libéralités. Pourquoi? Parce que normalement, dans les exercices spirituels, Dieu nous donne des lumières, beaucoup de lumières. Des lumières et des choses que nous devons commencer à faire ou bien refaire. Refaire dans le sens. Et réformer, hein, ou bien se détacher. Donc la libéralité, c'est la vertu qui nous aide à vraiment en Dieu savoir avoir la force d'être libre pour pouvoir changer, pour pouvoir commencer à faire une chose, pour pouvoir accomplir de façon plus parfaite la volonté de Dieu. Lui offrant toute sa volonté et toute sa liberté. Cela le courage, la libéralité, afin que Dieu dispose de ma personne et de tout ce que j'ai selon sa présente volonté, selon ce que Dieu nous demande. Que Dieu dispose de moi, que je sois vraiment un instrument de Dieu. On saute un peu, sixième annotation, c'est quelques annotations, vous pouvez les lire après, nous allons voir simplement parce que. Elles sont importantes pour notre réflexion. Alors, à cette fin, on est en train de parler des autres annotations, c'est-à-dire pour que le Créateur et le Seigneur opèrent plus efficacement en nous, en sa créature, il est important, si cette âme peut-être, pardon, se sent affectionnée et portée à un objet d'une manière désordonnée, si cette âme est affectionné à quelque chose de façon désordonnée. Il emploie toutes ses forces pour tâcher à parvenir à ce qui est l'opposé de son affection désordonnée. Je suis attaché à quelque chose de ce monde, vraiment, qui fait un obstacle. Elle fait un obstacle entre Dieu et moi. Je dois me détacher, m'en dégager pour pouvoir embrasser la volonté divine. Soit une personne, soit un bien dans ce monde, une voiture, une maison, un travail, etc., quelque chose de matériel, une personne, que Dieu me donne la force pour aller à l'opposé, directement me détacher totalement de cela. Si par exemple, elle se sent portée à chercher à posséder un emploi, un bénéfice, un travail, et non pour l'honneur et la gloire de Dieu, ni pour le salut spirituel des âmes, mais pour ses propres avantages. Je vais étudier quelque chose, m'exercer à quelque chose pour avoir de l'honneur, de la gloire humaine. Donc, elle doit se porter à ce qui est contraire et le demander à Dieu qu'elle fasse des vives instances, c'est-à-dire dans ses prières, s'efforcer à le demander et dans ces autres exercices spirituels protestant qu'elle ne veut ni cet emploi ou ce bénéfice, ni aucune autre chose, à moins que Dieu, réglant ses désirs, ne change sa première affection, la change, la transforme, en sorte que la raison de désirer ou de posséder une chose ou une autre soit uniquement le service, l'honneur et la gloire de Dieu et sa divine majesté, comme on dit toujours Saint Ignace, vous allez le voir au long de cette retraite. Divine majesté, c'est toujours Dieu, la façon d'appeler Dieu.
Bon, les autres annotations, hein, avec celles qui commence Saint-Ignace ce livre, non, qui commence le livre, vous allez les trouver dans l'exemplaire en PDF, ou bien si vous avez le livre, vous pouvez le lire. Hein. Il y a aussi, pour cette première étape de la retraite, des additions, c'est-à-dire des notes ajoutées pour bien vivre cette première semaine, comme elle l'appelle. Première semaine, rappelez-vous que c'était un mois, donc divisé en 4 semaines, ils n'ont pas proprement 7 jours. C'est 4 semaines, 4 étapes de la retraite, la première semaine, la première étape. Il y a des choses pour savoir pour cette première étape, que nous parlons comme première semaine, nous appelons comme première semaine. Pour mieux faire les exercices, pour trouver plusieurs mots, ce que l'on désire, c'est-à-dire pour trouver la volonté de Dieu, il nous donne ces additions. La première, après m'être couché et avant de m'endormir, comment je dois faire pour prier? Avant de m'endormir, je penserai à l'heure à laquelle je dois me lever et pour quelle fin. Je vais résumer pendant un espace de temps, et non, je vous salue Marie, hein, l'exercice que je dois faire, c'est-à-dire la méditation du lendemain. Pourquoi? Parce que quand on est en retraite fermée, pour ainsi dire, quand on est en retraite d'une semaine, 7 jours, 8 jours, un mois, tout le temps est consacré à la prière. Donc avant d'aller dormir, je dois me rappeler l'histoire. Deuxième annotation. Lorsque je vais me réveiller, je vais éloigner toute autre pensée sauf de la méditation, des sujets sur lesquels je dois méditer maintenant. Et après, il explique que s'il y a une méditation pendant la nuit aussi, je dois faire le même. Donc, je dois me concentrer et pour bien méditer les sujets. Ici, il parle des péchés parce que la première semaine va orienter à la conversion du péché à la vie de la grâce. Et donc éloigner toute autre pensée de distraction. Troisième annotation, avant de commencer, je me tiendrai debout le temps de réciter le Notre Père, ou bien à deux pas de l'endroit où je dois méditer, supposons par exemple une chapelle, la chambre, l'oratoire. Donc avant d'arriver, je m'arrête et je répète un peu, je viens. Eh bien, je vais remémorer, pardon, je vais me souvenir plutôt, et les sujets, les sujets à méditer, les points qu'on nous a donnés tout à l'heure, pour pouvoir revenir avec mon imagination et ma mémoire, pour pouvoir bien méditer, pour bien m'exercer à la contemplation. Quatrième annotation, je vais commencer ma contemplation. Tantôt genoux, tantôt prosterné, étendu sur la terre et le visage vers le ciel, assis debout. C'est-à-dire, je vais chercher la position la plus appropriée pour moi, la meilleure pour pouvoir prier. L'exercice, c'est un exercice spirituel. C'est mon intelligence, ma volonté, ma mémoire. C'est pas mon corps. Donc, je dois chercher le meilleur endroit, la meilleure position pour pouvoir prier. Et faire tout l'effort pour pouvoir, mettre toutes mes forces pour pouvoir vraiment donner et tenir la méditation, la contemplation, pouvoir méditer et pouvoir réfléchir à qu'on me propose pour la méditation et la contemplation. Saint Ignace propose pour tous les exercices, pour chaque méditation, chaque sujet, chaque conférence, une structure de prière. Elle est classique. Et pourquoi? Parce que la personne, nous, les êtres humains, nous, notre façon de penser est ordonnée. Et la façon de raisonner à nous garde un ordre toujours. C'est propre de notre nature. Et pour cela, Saint Ignace a bien réfléchi cela, il a donné une structure pour la prière.
Donc, d'abord, il y a la préparation du matériel nécessaire. Nous faisons quelque chose. Pour enregistrer cette conférence, j'ai préparé l'ordinateur, la lumière, les tableaux. J'essayais d'arranger un peu les yeux. Je me suis mis un peu la vie, etc., pour pouvoir vous parler. Il y a les mêmes choses que nous devons faire pour la prière. Préparer le matériel nécessaire. Après, chaque fois qu'on va prier, il y a une préparation préparatoire. Préparation préparatoire, prière préparatoire. C'est-à-dire, je me prépare, j'arrive à la prière, j'arrive à la chapelle, à l'endroit où je vais faire la méditation, et je fais d'abord une prière préparatoire. En quoi consiste cela? En demander à Dieu la lumière ou comprendre le message qui m'est adressé. Et la force de changer dans mon cœur, dans ma vie, ce qui m'éloigne de Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, je mets entre tes mains toutes les opérations, les intentions, les réflexions que je vais faire pendant ce temps. Je te demande de m'illuminer, de la lumière à mon cœur et de m'éloigner de mon âme, de ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu. Après, il y a une composition des lieux, c'est-à-dire un cadre, un tableau que je donne, comme ce tableau que vous voyez, un tableau que je donne à mon imagination pour qu'elle ne bouge pas. Rappelons-nous de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, disait, l'imagination est la folle de la maison, c'est-à-dire elle passe le temps à bouger dans notre tête. Donc, pour attacher un peu l'imagination, Saint Ignace propose toujours une composition des lieux, c'est-à-dire une image, comme un tableau, comme j'ai dit. C'est une image que je vais regarder dans mon imagination pour pouvoir me concentrer et pouvoir continuer à faire ma réflexion. Il y a toujours une pétition particulière, c'est-à-dire chaque exercice spirituel, rappelons-nous, c'est des exercices spirituels, donc composé de beaucoup d'exercices spirituels. Chaque exercice contient un objectif, un but, une fin particulière. Donc je vais demander toujours au début de la prière que Dieu me donne la grâce de trouver, d'acquérir, d'obtenir cette finalité que je vais méditer, que je vais contempler. Pour cela, il y a une pétition particulière. Après, il y a une histoire divisée en différents points. Généralement, l'histoire se donnait par celui qui guide les exercices spirituels. Pour cela, les participants doivent prendre des notes et se rappeler cette histoire. Je vais me rappeler l'histoire, dit Saint Ignace toujours. C'est une histoire, c'est une conférence donnée, des aspects sur ce mystère. On contemple la nativité, des aspects, différents aspects. On médite sur le péché, bon, une réflexion sur le péché, les péchés personnels, les péchés des autres, etc. Et voilà, ça c'est l'exercice. Comment je fais quand je fais la prière? De quelle manière se déroule l'exercice spirituel? Je vais relire tous les textes lentement, les textes du livre, les soutiens avec les points notés de la conférence, que j'ai retenus de la conférence. Une fois lu, je commence par chacun des points à réfléchir. Premier point, deuxième point. Et je les confronte avec ma vie. Cette vérité est. Je viens d'écouter par le ou que vient de, je viens de lire dans la Bible, dans les livres des exercices. Est-ce que dans ma vie je l'accomplis? Est-ce qu'elle est présente dans ma vie? Comment elle est présente? De quelle manière? Il faut considérer que l'action de Dieu comprend toute la personne, donc les pensées, les sens, la manière de se rapporter aux autres avec Dieu. Chaque fois que j'obtiens une lumière, je dois remercier le Seigneur de tout ce qu'il m'a donné. Et si je vois que j'ai commis des fautes, des péchés par rapport à cela, demandez pardon.
et la force de changer. À la fin de l'exercice, pardon, ce moment de prière qui doit durer une demi-heure, 45 minutes, on peut se prolonger pour une heure en prière, non? Je vais faire un colloque à la fin, c'est-à-dire 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes avant. Oui, au moment où mon esprit me demande de commencer à parler avec Dieu, de commencer à demander les grâces nécessaires. Ces colloques, monsieur tout à l'heure, Santa Thérèse d'Avila, parler avec Dieu comme un ami. Il y aura l'action des grâces, il y aura le désir du repentir. C'est un dialogue, un colloque, ça veut dire dialogue avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être bouleversé par ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, au contraire. Je dois avoir beaucoup de confiance en Dieu qui guide ma vie, plus dans ce moment d'exercice spirituel, parce qu'il me fait venir ici pour me dire beaucoup de choses et pour me donner la grâce pour vraiment les accomplir, changer, recommencer, hein, recommencer, refaire, reformer, etc. Donc, si Dieu m'a fait venir aux exercices spirituels, si Dieu m'a fait participer à ces exercices spirituels, cela veut dire que Dieu a gardé pour moi beaucoup de grâce. C'est un dialogue avec sens et avec sincérité avec Dieu et par rapport à ce sujet qu'on contemple, qu'on médite. Et à la fin, hors de la prière, continuons la prière après ce temps donné pour la réflexion, il y a un examen. Un examen sur quoi? Sur le processus de la prière. Comment? Si on a eu le fruit. Il y a des choses que Dieu m'a montrées, l'Esprit Saint m'a soufflé, m'a inspiré. Je dois les écrire, je dois prendre des notes, un cahier pour moi, des notes, parce qu'après cela va être utile pour moi à la fin. Remercier ces inspirations de Dieu. Des nouvelles choses que j'ai vues dans ma vie, dans ma vie spirituelle, dans ma vie comme chrétien, dans ma vocation, dans ma mission dans ce monde. Remercie le Seigneur pour cela. Demandant pardon aussi pour les fautes que j'ai eues pendant ce temps. Par exemple, si je n'ai pas combattu bien combattu les tentations, si j'étais fatigué, j'ai laissé un peu. Mais c'est aller avec les tentations et l'imagination partie ailleurs. Bon, pourquoi? Quelle raison? J'avais pas bien dormi, j'étais pas bien concentré. Faut savoir que notre esprit, malheureusement beaucoup plus dans notre époque où il y a les images qui sont partout, malheureusement bouge beaucoup. Donc, c'est plus difficile à tenir l'imagination. Et se concentrer 1 heure. Beaucoup de personnes peuvent le faire, d'autres, c'est un peu plus difficile et parfois très difficile. Ce que Dieu nous demande, c'est de persévérer. Il le dit dans l'Évangile, persévérer dans la prière. Comment on persévère? Et si on a une distraction, on revient tout doucement. On demande pardon au Seigneur, j'étais distrait, je recommence, je recommence, je reprends. La dernière phrase où j'étais, bon, je reprends là, je recommence ma méditation. Revoir aussi comment s'est déroulée la préparation, l'exercice, ce qui m'a plus aidé, les difficultés, etc. Tout cela, le revoir. L'examen de conscience, c'est pas le nom. L'examen de la méditation, l'examen de l'exercice, c'est aussi une prière. Et Dieu aussi donne des grâces. Donc, beaucoup de grâce pendant ce temps d'examen. Ce n'est pas un examen de conscience, c'est l'examen de l'exercice spirituel qu'on vient de faire, de la méditation, de la contemplation. Il y a différentes formes de prière proposées par Saint Ignace. La méditation, je parlais de ça un peu, je nommais plutôt. C'est un style de prière qui vise à mettre la personne entière en relation avec Dieu par l'approfondissement d'un passage évangélique ou d'une vérité de la foi. Je médite une vérité de la foi. Je médite le ciel. Je médite mes péchés. Je médite ma mission dans le monde. Je médite ma volonté par rapport aux choses que Dieu me demande.
Saint Ignace parlait des trois dimensions de la personne, la mémoire, les souvenirs, les sentiments, plutôt les sentiments référés à la mémoire, l'intelligence, pensée, la logique et le déroulement des pensées, la compréhension acquérir à une vérité, la volonté veut dire la capacité de décision, le don de soi, l'affection, m'affecter, m'affecter à Dieu, évidemment. C'est toute la personne qui reçoit la lumière de Dieu. Ça, c'est la méditation. Il y a aussi un autre type de prière pendant l'exercice spirituel, ça s'appelle la contemplation. La contemplation, c'est une façon de prier qui est d'entrer dans le milieu imaginatif à partir d'une histoire. Et pour cela, la contemplation est laissée plutôt, j'ai dit, pour les mystères de la vie du Christ. La vie, naissance, l'annonciation, naissance, la passion, la résurrection. C'est un moyen très approprié pour entrer au plus profond de ce qu'on veut contempler, entrer dans le moment de l'histoire. Saint Ignace nous propose une prière qui arrive à avoir une connaissance interne de Jésus. Et comme il l'a dit, qui pour moi s'est fait homme. Par exemple, il consiste à imaginer l'endroit, l'action. Saint Ignace le fait très pratique, non? Par exemple, voir les gens comme si j'étais présent, écouter ce qu'ils disent, regarder ce qu'ils font. Proposer de collaborer en toute simplicité. Comment faire? Devenir un acteur dans le mystère que je contemple. Entrer, parce que c'est la façon de vivre ce que le Christ a vécu. Contempler et appliquer, toujours dit, c'est là. C'est-à-dire, je contemple, mais j'applique dans ma vie. Il y a aussi l'application de sens, c'est-à-dire, va aider à la contemplation, à la méditation. Non seulement j'utilise l'imagination, mais aussi le sens. Et il me dit de pouvoir toucher, de pouvoir écouter, de pouvoir sentir. L'application des sens. On peut faire aussi cette prière. Il y a aussi un type de prière qui s'appelle la répétition, c'est-à-dire revenir à ces sujets qu'on a déjà médité, qu'on a déjà contemplé, revenir et refaire un peu la méditation, soit le regarder dans une autre optique, soit aussi refaire le même sujet, mais pour avoir encore plus de fruits. Et c'est pour cela répéter le même sujet. Et je vous laisse avec l'image de Saint Ignace, et maintenant, comme il dit, que tout soit ad maiorem Dei gloriam, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. C'est là, cette phrase, on va la retrouver au long de tous les exercices spirituels, et vraiment, c'est pour nous, ça doit être le but des exercices spirituels. Les exercices spirituels ont comme but et la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.